direct sur Radio Biarritz à Bayonne pour les fêtes de Bayonne et l'ouverture qui n'est pas en... Bonjour. Ton prénom ? Bernard. Bernard. Et Jacques. 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 Alors, Bernard et les enfants, vous êtes là. Alors, nous sommes à Ramon Ramon. Alors, c'est quoi Ramon Ramon ? Ramon Ramon, la meilleure peña de Bayonne, la première peña de Bayonne, après Bayonne Plage. Voilà, rue de Courcic à Bayonne. Pourquoi après Bayonne Plage, pourquoi ? Parce que Bayonne Plage, c'est aussi une... On aime bien nos amis Biarrons et ils ont une jolie peña qui s'appelle Bayonne Plage. Voilà, donc ça c'est... Tu fais de la politique ou quoi ? Parce que c'était très consensuel. Jacques, dis-nous, c'est quoi Ramon Ramon ? Non, Ramon Ramon est une association de vieux, parce que nous avons presque tous 70 ans, mais qu'on est là depuis 25 ans, ensemble, et qu'on se régale, et qu'on essaye de fédérer même les petites générations qui sont là. Donc écoute, tout va bien, que ça continue longtemps. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, après 2 ans d'absence, il y a un monde phénoménal et tout le monde a le sourire, personne n'a vieilli, personne n'a grossi, c'est l'essentiel et on est heureux d'être tous ensemble. Voilà. Merci Jacques. Alors le président, est-ce qu'il pourrait nous dire quel est l'objet de Ramon Ramon ? Quel est l'objet social de Ramon Ramon ? On est une association loi 1901, mais notre problématique c'est la défense du jambon de Bayonne. Et on y arrive, ça fait 26 ans maintenant qu'on existe. Et tous les ans, on a une tradition, on tue le cochon ici à Bayonne, pas dans la rue, on n'a jamais... Il vient d'où le cochon ? Ah, ça, on a tué des cochons espagnols, on a tué des cochons corses, on a tué des... Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose concernant les fêtes de Bayonne ? Parce que là, on est en pleine fête de Bayonne. Alors, comment ça se passe pour vous, les fêtes de Bayonne ? C'est quoi pour vous, les fêtes de Bayonne ? C'est un moment indispensable dans l'année. On ne l'a pas eu pendant 2 ans. Et quand, comme disait Jacques, quand on voit le sourire des gens, quand on voit que cette mixité, il y a les enfants, il y a les parents, il y a... c'est une merveille. C'est une... on ne peut pas s'en passer. On peut pas s'en... Jacques, non, qu'est-ce qu'il dit ? Mais il a tout à fait raison. On ne peut pas s'en passer. Et merci à vous d'être venu nous voir, même de Biarritz, parce que c'est loin, Biarritz. Oui, on est très 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 loin. Bon, merci en direct de Radio Biarritz à Bayonne. Adieu. Au revoir. Au revoir.